vous aussi, vous serez engloutis. Nous voulons seulement parler avec vous. Trois souris aveugles, voyez comme elles coupent, trois souris aveugles. Celle que tu aimes te trahira, toi aussi. Il n'y a aucune raison de se battre. Si t'as touché un seul de ces cheveux, tu deviendras en aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que... le châtiment. Lâche-le. Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. De la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la vie. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui.
partir. Prends-moi sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillé. Qui es-tu ? Celle qui t'a sauvé. Qui t'a soigné pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu ? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi ? Tu es confus, c'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière ? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Comment tu te sens ? Quelle importance ! Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Ce cauchemar, sa façon de parler, sa façon de transpercer, je n'avais jamais rien vu de tel. Il est rare de le voir, et encore plus d'y survivre. Qu'est-ce qui a attiré un esprit si puissant ici ? Qui sait ? Quelque chose d'horrible, sans aucun doute. Les pires colères naissent des torts les plus terribles. Ce sont les mots d'un ami. Il voulait nous mettre en garde. Une loi immuable. Tu as des amis avisés. Qui t'envoie ? Elle s'appelle Ciridian. Et mes mains, comme mes mots, lui sont entièrement dévouées. Voilà. Ne cherche pas plus loin. Ciridian, cette petite chercheuse qui t'a demandé de me trouver ne serait pas écossaise ? C'est Ciridian. Elle est trop âgée pour être originaire de quelque part en particulier. Mais oui, elle m'a dit où te trouver. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ? Comment je vais m'en sortir tout seul ? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciridian m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Garder la foi, tu dis ? Mais tu ne me connais pas. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Dans la vie, rien n'est censé être facile. C'est ce qu'on obtient à la dure qui compte. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. M'aider. Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Ciridian dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas.
Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRae. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu ? Je repars auprès de Ciridiane. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver, si j'ai besoin de toi ? Au marais Bourbeux, d'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi ? Je m'en vais. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère pas m'en approcher. Où suis-je ? Thank you.
Laisse-moi te... approcher, sale clébard. Mais qu'est-ce que je voudrais faire, là? Dernier être vivant par ici. Laisse-moi tranquille. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Antea?
qu'est-ce que je suis ? Si froid. Si froid. Eh oh ! J'y crois pas. C'est pas possible. Anthea ! Appelle-moi ! Désolé. Je suis là. Guide-moi jusqu'à toi. Si froid. Anthea, tu es là ? Si froid. Mon amour. Mon amour, si froid. J'arrive, mon amour. J'arrive. Te voilà. Non ! Je te tiens. Tu me tiens. Viens. Non, n'y va pas. Je suis là. Suis-moi. Où vas-tu ? Par là-bas. Je suis avec toi. Je suis ici. Où es-tu ? Où es-tu passé ? Anthea ! Tu as l'air faible. Tu as besoin de... repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? T'avoir perdu. Et te retrouver ainsi. Et tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire ? La Bible de Charles, le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus.
Pour l'instant, ça suffira. J'en avais besoin. Je me sens mieux. Regarde-toi. Regarde-nous. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis contente de te voir. Que tu sois revenue. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. C'était il y a une éternité. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tu as encore faim ? Je me sens vide. Comme si j'étais rempli de néant. Même avec l'essence que Charles a laissée sur sa Bible. Consommer son lien m'a fait du bien sur le moment. Mais il m'en faut plus. Bien plus. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. De quoi tu te souviens, après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'égarement. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de Chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyée prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Antea, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça ? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Je pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple, mais pas la plus facile. Pourquoi ? Mon corps est mon lien. Et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église, avant qu'elle me lâche, j'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cédera pas comme ça. Dans l'école, tu as parlé de résurrection, en plaisantant. C'est possible ? Oui. Le rituel de palingénésie mineure. Il est extrêmement complexe. Et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai ? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence. Beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain. De meurtre. Peut-être, oui, mais... On pourrait pas l'envisager, au moins. Je veux dire, si elle a la moindre chance de te ramener, je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant. Et c'est dangereux.
M'imaginer à nouveau dans tes bras. Ça me tente aussi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit retourner à New Eden, on doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là.